Les normes d'emploi font partie intégrante du règlement sur les normes d'accessibilité intégrée de la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Ces normes aident les employeurs à rehausser l'accessibilité des lieux de travail et les pratiques d'emploi aux personnes handicapées, soient-elles des employés en place ou éventuels. Cette vidéo traite de l'une des exigences de ces normes d'emploi. L'Association des professionnels en ressources humaines présente. Dans cet excitant épisode, Harold Jeepers découvre l'importance des besoins particuliers et des plans d'accessibilité dans le cadre d'un redéploiement. Voici Harold, un nouveau directeur de service chez Jiffy Brother Industry. Jiffy Brother fermera bientôt une de ses usines. Harold est responsable du redéploiement de la main-d'œuvre. Harold est assis à son bureau. Nous entendons le bruit de sa frappe. Et voici... Sonia se présente à la porte du bureau de Harold, qui est surpris. Sonia, du service des ressources humaines. Une conseillère en ressources humaines agréées. Harold a dressé une liste des employés en ordre d'ancienneté. Harold détient une carte jointe à un presse-papier, tout en faisant des gestes vers le chevalet derrière son bureau, qui a des noms de personnes, plus les flèches pointant vers des images représentant des emplois. Il montre fièrement à Sonia ses suggestions pour le redéploiement des 10 premiers. Sonia y jette un coup d'œil, puis lui demande s'il a rencontré les employés de cette usine. Harold lui répond qu'il allait justement le faire demain, mais qu'il souhaitait prendre une longueur d'avance à ce dossier. Sonia lui dit qu'elle reviendra le voir après la réunion à laquelle elle doit maintenant se rendre. Comme Harold se remet au clavier, la vidéo devient ondulée, ce qui suggère qu'il a rêvé. Harold se réveille en sursaut. Des candidats au redéploiement envahissent son bureau. Il les salue timidement, ils font de même. Sonia surgit et lui demande ses suggestions pour chacun des employés. Harold pointe Kirk du doigt et explique. Harold indique le nom de Kirk sur le chevalet. Qu'il proposera que ce grand gaillard devienne le responsable de la climatisation dans les usines de Jiffy. Bill sera réaffecté aux ventes. Betty conduira un chariot à fourche dans l'entrepôt. Lara sera mutée à l'accueil. Et Gordon au service de l'informatique. Gordon lève son poing et sourit. Harold se réveille d'une petite sieste, surpris par Sonia, qui se trouve être assise juste en face de lui. Sonia demande à Harold s'il a tenu compte des besoins d'accessibilité des employés dans sa planification. « Je crois que oui », lui répond-il. Sonia lui explique alors que Kirk souffre du dos et qu'il rêve de travailler à l'accueil. « D'ailleurs, il y excelle », ajoute-t-elle. Kirk serait aussi responsable de 2 autres personnes. Nous voyons quelques photos de Bill. Il porte un casque de sécurité et utilise un fauteuil roulant. Dans une image, il est à côté d'un chariot élévateur à fourche. Dans un autre, il donne le feu vert en levant la pouce. Bill, lui, est déjà un expert du chariot à fourche et il a accepté que l'on adapte un chariot à ses besoins particuliers. Betty a récemment réussi une formation en système de climatisation. Et Lara est une vendeuse hors pair. Gordon, c'est vrai, est un fou d'informatique. Mais Sonia ajoute que Gordon bénéficie d'un plan d'adaptation. Elle explique à Harold que Gordon a subi une perte de la vision et que Jiffy verra à l'installation d'un écran spécial à son nouveau poste. Un poste de travail informatique est montré. On entend la voix artificielle sortant du synthétiseur de la parole à partir du texte. Conformément à son plan d'accessibilité. En fait, lui dit-elle, presque tous nos employés bénéficient d'une adaptation. C'est peu de choses, mais cela motive vraiment nos gens. C'était l'épisode Redéploiement. Toujours tenir compte des besoins particuliers et des plans d'accessibilité. Le cas présenté est un cas réel. Nous n'avons changé que les noms parce que c'est ce qu'ils font toujours à la télé. Vous pouvez télécharger des ressources, outils utiles et avoir de plus amples renseignements au site ontario.ca/accessON. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec la NHPA et le gouvernement de l'Ontario, dans le cadre du programme Interaction pour le changement.
Nous remercions LinkUp Employment Services for Persons with Disabilities de sa collaboration, de même que ses employés et clients qui ont accepté de jouer un rôle dans cette vidéo. www.linkup.ca. Produit par Kering Media. www.keringmedia.com.